Amiens Énergie, des réseaux de chaleur intelligents au cœur de votre ville. Amiens Énergie, première CEMOB de France dans les domaines de l'énergie, est une nouvelle structure que la ville d'Amiens a souhaitée afin de valoriser les différentes sources d'énergie produites sur son territoire. En charge des réseaux de chaleur, Amiens Énergie s'inscrit pleinement dans la troisième révolution industrielle. Pour améliorer le cadre de vie des Amiénois, en faisant résolument d'Amiens une ville tournée vers l'innovation et la qualité environnementale. Aujourd'hui, les réseaux de chaleur amiénois fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Amiens Énergie lancera des travaux de rénovation du réseau Nord et Sud-Est pour réduire l'utilisation d'énergies fossiles et développer les sources d'énergie renouvelables et de récupération dont le territoire dispose. Chaleur de récupération, biogaz, biomasse, géothermie et eau usée. Ce projet valorise les moyens de production existants sur l'espace industriel Nord. La valorisation des eaux usées de la station d'épuration d'Ambonne, ainsi que la chaleur issue du biogaz de l'usine de méthanisation, constitue une partie du futur mix énergétique. Amiens Énergie privilégiera également les ressources locales en réalisant une chaufferie biomasse et en valorisant l'énergie thermique contenue dans les nappes avec la mise en place d'une pompe à chaleur. La chaufferie du Pigeonnier et la centrale de production Goodyear Dunlop assureront le complément. Les réseaux Nord et Sud, interconnectés, permettront d'optimiser les énergies les plus propres et performantes et la mutualisation des équipements permettra d'accroître l'attractivité du réseau par une tarification compétitive et stable. L'ASAC Intercampus se développera en 2017 pour accueillir des logements, des bureaux et des entreprises innovantes liées entre autres à la santé. Pour accompagner cette dynamique, une solution à énergie renouvelable sera mise en place dès 2017 pour faciliter la promotion immobilière. Avec d'abord une chaufferie provisoire alimentée au biogaz, puis une solution de géothermie évolutive prendra le relais par l'installation progressive de pompes à chaleur. Elles permettront aux futurs abonnés de bénéficier simultanément d'un réseau de chaleur et d'un réseau basse température. Cette solution de production de chaleur géothermale est également envisagée pour la ZAC Gare-la-Vallée. L'utilisation des ressources locales et renouvelables permet de proposer un tarif unique pour l'ensemble des abonnés. Les travaux de réseau s'intègrent parfaitement dans le projet d'aménagement de la ville et seront programmés en lien avec le projet du futur bus à haut niveau de service pour une mise en service dès juillet 2019. L'ensemble des travaux intégrera une démarche environnementale forte et des dispositifs d'insertion. Le réseau Amiens Énergie représente à terme plus de 30 000 équivalents logements pour un panel de futurs abonnés larges et diversifiés. Des copropriétés privées, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, des établissements scolaires et de formation, écoles, collèges, lycées, CFA, des équipements sportifs, des bâtiments de la ville, du conseil départemental, de la région Hauts-de-France, des entreprises, banques, des établissements de santé et des industriels. Ce projet représente un atout pour l'emploi et l'économie locale avec la création de 15 emplois pour l'exploitation des sites et la filière biomasse, ainsi que 120 emplois pour les travaux. Les équipes d'Amiens Énergie jouent un rôle pédagogique par la formation d'alternants et l'orientation des plus jeunes en partenariat avec les associations locales. Enfin, implantée au cœur d'Amiens, Amiens Énergie propose des actions de sensibilisation aux économies d'énergie pour renforcer le lien de proximité avec les usagers. Ensemble, la ville d'Amiens et Engie Coffély, main dans la main, vers la transition énergétique.